Bon, on est face au domicile du petit frère du président Blaise Compaoré, de l'ex-président Blaise Compaoré. On est venu, on est venu juste assister au pillage et au saccage de son domicile. Cette journée rentre vraiment dans l'histoire de tout le peuple burkinabé, parce que c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps. En tout cas, c'est une délivrance totale. C'est une délivrance totale. Les mots même me manquent pour m'exprimer ce soir, vraiment. Nous venons de brûler la cour, le domicile de François Compaoré. Il se dit que nous avons tenu hier à brûler, on n'a pas pu. Nos camarades sont morts devant nous ici. Et on tenait coûte que coûte brûler ce domicile-là. Et voici, c'est une réalité aujourd'hui, après la démission de son frère. Voilà. Vive le Burkina Faso. Vive la patrie où la mort nous vaincrons. Voilà. Bravo, voilà, c'est ce qu'on veut le montrer, non? Nous faisons notre jugement nous-mêmes. Et puis voilà, la justice burkinabé, la population est sortie. On n'est pas d'accord. Blaise, il termine à la CPI. François, nous le veut. On le veut à vie tout de suite, mais pour faire nos règlements de compte. Ouais. Et le peuple burkinabé qui parle. Ouais. On a pris notre pouvoir. On donne à celui qu'on veut. Yes. Maintenant, la lutte est aboutie, donc nous demandons à la jeunesse de libérer les voies pour que la vie puisse reprendre son cours normal et que Blaise n'ait pas raison quand il dira qu'après lui, ça sera le chaos. Nous allons lui démontrer que le Burkina continue de vivre après Blaise Compaoré. Victoire au peuple. Merci. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.